Bienvenue dans cette grande aventure YouTube. Je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager pour qu'on aille encore plus loin ensemble. Bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Sissoen. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Là, je suis en train de convoyer un véhicule, comme tu le sais, hein, c'est mon boulot. Mais si j'ai voulu faire une vidéo spéciale avec ce véhicule, c'est parce que, regarde bien, je ne touche pas le volant. Voilà, je ne touche pas le volant et la voiture roule toute seule. Je n'ai même pas le... Tu vois, je n'accélère en rien. La voiture en totale autonomie. C'est un truc de dingue. Ça fait quasiment 100 km que j'ai pas touché le volant. En fait, j'ai voulu partager cette vidéo parce que c'est un truc de malade. Tu vois, là, je ne touche pas le volant. Là, tu vois, c'est un truc de dingue. Elle tourne toute seule, elle gère toute seule. C'est un truc de fou. Des fois, bien sûr, la voiture te dit, Mel, touche le volant pour dire que tu n'es pas en train de dormir. Quoi. Parce que, bien sûr, si tu t'endors sur l'autoroute, c'est quand même vachement dangereux. Attention, c'est pas comme la Tesla qui est 100% autonome. Celle-là, elle est semi-autonome. Il faut quand même que tu sois réveillé, que quand tu veux changer de voie, tu dois mettre le clignotant. Mais si je mets le clignotant, elle change de voie toute seule. C'est quand même hallucinant. J'ai voulu te faire partager ça parce que je trouve absolument ça dingue. Je suis en train de rouler, enfin la voiture qui est en train de me conduire. Là je ne conduis pas la voiture, c'est la voiture qui me conduit. C'est absolument bluffant quoi. Tu vois, voilà. Ça roule tout seul. C'est un truc de dingue. Je vais juste, après le camion là, je vais te montrer, je vais mettre le clignotant et tu vas voir, elle va changer de voie toute seule. Regarde bien, je vais mettre le clignotant dès qu'on a passé le camion. Voilà, genre maintenant, tac, je mets le clignotant, je ne touche à rien, elle change de voie, je remets le clignotant, tac, j'ai rien, et elle a changé de voie toute seule. On va remettre le clignotant pour se remettre sur la voie de gauche, et on enlève le... Et je n'ai absolument pas touché le volant. C'est... Je suis encore sur le cul de rouler dans une bagnole comme ça, c'est un truc de fou. Enfin bref, j'ai voulu te faire partager ce moment de dingue. C'est pas tous les jours qu'on roule avec une bagnole pareille quoi. C'est total autonome. J'ai déjà roulé dans une Tesla mais j'ai pas pu activer l'autopilote. Le gars il était pas chaud. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas là, je te jure, j'ai découvert ça ce matin. Je suis rentré dans la voiture, je voyais que la voiture voulait faire ce qu'elle voulait. J'étais, c'est quoi ce délire? Et en fait, j'ai laissé totalement faire. Et il se trouve que voilà, c'est un véhicule qui roule tout seul. Hein, il freine tout seul, il accélère tout seul, il tourne tout seul. C'est un truc de dingue. Je ne touche pas le volant, regarde, ça tourne tout seul. Ah, il faut toucher le volant pour lui dire que je ne dors pas. Mais sinon, regarde, tu vois, ça tourne tout seul. C'est dingue. C'est dingue. Enfin bref, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, cette fois-ci sur le jeu vidéo, t'inquiète pas. Et sur ce, toi, si tu peux, joue bien. Allez, ciao ciao. SMS de ma femme à 9h47. Oui, tu m'as raccroché à la gueule.